Bon, ça y est, on est parti faire le petit déjeuner. Alors là, on est dans le petit déjeuner des enfants. Le but, c'est d'empresser de voir les donuts, là. Il y a plein de choses. Regardez, les buffets, ils sont super. Il y a vraiment de tout. Voici ma petite commande passée chez Blue Shop et nous avons cette merveilleuse robe. Alors j'ai vraiment craqué, regardez l'arrière comme il est, franchement trop canon. Et là on est sur une robe comme ceci, enfin je trouve ça tellement joli les filles. C'est pratique, c'est facile à mettre, ça va vraiment avec tout. On est sur un ensemble un petit peu tie-and-dye que je trouve très joli avec des pointes de bleu, des pointes de beige. Franchement, je trouve ça trop canon les filles. C'est tellement facile à s'habiller avec et puis surtout ça peut aller pour tout événement. Je crois que je t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Ici on est sur un coup de cœur. En fait on est sur une combinaison en version un peu lin, vous voyez la matière. Elle est trop belle parce qu'en fait on dirait une veste alors que finalement non, ça se termine comme une combi short. Donc c'est vraiment trop joli. C'est exactement la même chose qu'on peut retrouver si vous portez une veste en version combi short. Donc je la trouve trop belle, vous mettez des petites bottines ou après vous pouvez le mettre avec des sandales ou des baskets. Franchement, c'est un ensemble qui est parfait pour cette nouvelle saison qui arrive. Et elle est trop jolie quoi, j'adore. Trop sympa. Regardez l'ensemble, il est trop canon. Si on est sur des vêtements si faciles à porter qu'on ne peut pas dire non, c'est vraiment hyper utile. Alors là, je suis full Blue Shop des pieds jusqu'en haut. Alors là, j'ai opté pour ce petit top qui est trop mimes les filles. Alors je l'ai pris en fuchsia, mais il existe en plusieurs coloris. Et je trouve qu'il est vraiment parfait pour aller avec un petit jean comme ceci. Pareil au niveau du pantalon, c'est exactement de chez Blue Shop que je l'ai pris. Ça, c'est les pantalons indispensables à avoir dans sa garde-robe. Ça tombe pile poil là où il faut. Regardez quand même, il est trop canon. Franchement, ça, c'est le pantalon parfait qui va aller avec tout. Le fait qu'il soit aussi court vers le bas, c'est vraiment l'idéal, les filles, parce que du coup, vous allez pouvoir le mettre avec tout. Des sandales, des talons, des compensés. C'est parfait, même des mocassins. Et du coup, là, vous avez donc ce petit top qui est trop mignon. Avouez qu'il est trop mignon. Je crois que je t'aime plus. Je vais changer de vie. Facile et vraiment coup de cœur parce que bah, vous êtes jolie. Cette couleur un petit peu fuchsia rehausse le teint. Et en même temps, bah, vous êtes super chic et très classe. Et en même temps, super simpliste. C'est ça, en fait, l'avantage avec Blue Shop, c'est que vous allez pouvoir trouver toutes sortes de styles. Et vraiment, ça, c'est le style indispensable. Sur ce petit top, il y a un body. Donc, il est trop pratique parce qu'il vous galbe bien, il vous moule bien, il tient super bien parce que donc on est vraiment sur l'esprit body. C'est exactement pareil et j'ai également mis le même pantalon que je viens de vous présenter. Franchement, c'est un peu la saison où il faut racheter tous nos petits hauts. Là, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment du coloré, c'est facile à porter. Regardez là, comme ça me rehausse énormément. Alors pourtant, j'ai un jean simple, des chaussures incroyables. Ça, j'avoue, c'est mes chaussures fab de l'été. Et regardez le petit top, quoi, trop canon. Même pantalon, mais un pull que vous n'aurez jamais ailleurs que chez Blue Shop. Regardez-moi ce pull comme il est trop beau, je suis trop fan. Il existe en gris également, un gris très clair, un peu gris-cray, qui est très beau aussi. Franchement, je ne savais pas quoi choisir entre l'un et l'autre, mais bon, vous savez que mon côté Barbie est ressorti. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Ça, c'est ma cam, voilà, simplement parfait. Rose Barbie, l'effet jean, les petites chaussures qui vont avec. Franchement, ça, c'est des tenues très faciles à porter et qui sont super tendances. Donc, bien évidemment, moi, je le porte avec des talons, hein, mais vous pouvez le porter aussi en version basket sportwear. Il y a tout qui va avec ce petit pull. Il est trop beau. C'est également la saison des combis, les filles. Et là, les combis de chez Blue Shop en version jean, elles sont incroyable les filles, vraiment cherchez pas plus loin, il y a de tout. Alors moi là j'ai pris la combi large avec le bas large, donc c'est coupe droite vous voyez. Et vous avez également la même, qui est quasi la même en version serrée, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Elle est trop belle les filles, moi j'adore, je trouve ça super stylé pour porter, voilà pour aller manger au resto le soir et tout, c'est trop pratique les filles. Et ça va parfaitement bien, pareil avec mes chaussures. Je ne sais pas si elles se détaillent, mais franchement, allez les sweeper, elles sont trop belles. Mais cette tenue est trop canon, les filles. Trop canon. Ici, on est sur un ensemble juste incroyable, les filles. Donc, c'est le pantalon avec le gilet qui va avec. Regardez la coupe comme elle est trop belle. Quoi demander de mieux? Donc, bien évidemment,
vous pouvez le fermer. Bon, le but, moi, je trouve que c'est de le laisser ouvert comme ça. Et c'est canon. En fait, on est sur des tailleurs, mais avec le version gilet long. Franchement, je ne connaissais pas et j'ai adoré. C'est trop joli, les filles. Regardez comme c'est canon. Franchement, on peut que aimer ce genre de modèle. Trop pratique. Le pantalon, en plus, il est trop bien parce que l'arrière est élastique. Et il a une coupe juste parfaite pour le bas. Pareil au niveau du gilet, moi j'ai opté sur la couleur gris, mais il me semble qu'il y ait également en beige. Sur une pépite les filles, franchement coup de cœur pour cette tenue qui est juste incroyable. On est sur tenue coup de cœur, ça c'est ma robe que je vous avais déjà présentée en version rouge. Et je l'ai recommandée en noir parce que je la trouve vraiment fantastique les filles, elle est trop trop belle. Elle est vraiment incroyable, c'est en fait un effet de robe bandage, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est encore plus belle en vrai, je vous jure, vraiment la coupe est parfaite si vous avez un événement. Elle est juste dingue les filles, vraiment en effet robe bandage avec ça. Je trouve ça trop canon, trop apprêté. Enfin vraiment ça fait une vraie robe de soirée pour n'importe quel événement, que ce soit un restaurant, que ce soit un événement comme un baptême, une bar mitzvah ou bah, tout simplement un anniversaire. Un mariage, vraiment, si vous êtes invité et que vous voulez avoir une jolie robe à petit prix et qui marque le coup, les filles, on est vraiment sur la pépite. Elle est canon. Ici, là, on est sur un modèle juste incroyable de robe rouge comme ceci qui vous galbe au niveau du ventre. Elle est incroyable, les filles. Je pense qu'elle existe en plusieurs coloris. Bon, moi, j'ai craqué sur le rouge parce que j'adore. Je trouve que le rouge, ça va aussi bien en brune qu'au blonde. Donc, on est sur une version de col comme ceci. Et sur l'arrière du dos, on est sur un dos nu comme ceci. Franchement, elle est trop belle, les filles. Si vous voulez, The Petite Robe, toujours des pépites avec Blue Shop, à petit prix, avec de la qualité. Incroyable. Sur une version de combinaison kaki comme ceci, elle est incroyable. Bon, j'ai pas eu le temps de la repasser parce que je viens à peine de la recevoir, mais regardez comme elle est trop belle, les filles. J'adore le modèle. Vraiment trop, trop canon, regardez. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Après, vous pouvez bien resserrer la taille. Elle est vraiment trop, trop jolie, les filles. Trop jolie, les filles. Franchement, vraiment canon. Une petite pépite. Très facile à porter. Bon, moi, je les ai mis avec mes petites sandales en paille. Mais après, vous pouvez les mettre avec des baskets, vous pouvez les mettre avec des bottines, vous pouvez les mettre avec des talons. Enfin, franchement, ça fait l'affaire sur tellement, tellement de manières différentes de porter cette combi. Vraiment trop facile. J'adore. La pépite pour ce jogging qui est juste incroyable, les filles. Franchement, trop canon, c'est tout ce que j'aime. Facile à mettre, vous mettez ça avec des New Balance et c'est joué, les filles. C'est gagné, c'est joué, c'est dans la boîte. Vraiment trop canon, les filles. Et vraiment trop beau cet ensemble. Qui recherche des joggings simples, faciles, efficaces, stylés, j'ai tout ce qu'il vous faut ici, les filles. Regardez quand même, il est trop canon. J'adore. Regardez ma belle petite salade composée que je me suis faite. Franchement, elle est trop belle. Ici, c'est un endroit avec la piscine. Et ça, c'est réservé uniquement aux personnes de plus de 18 ans. Parce que c'est trop risqué avec les enfants. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ne s'autorisent pas. Mais regardez comme c'est joli. Vous avez la piscine, la pluie, la piscine privée. Du coup, là, il y a une activité pour les enfants. Alors, après, il y aura une autre activité parents-enfants. Mais là, c'est que pour les enfants. Du coup, je l'observe. Elle est dans la salle juste ici, vous voyez. Et nous, les parents, on peut les observer ici. Bon, après, il y en a qui partent aussi, qui les laissent. Moi, Ruby, je la garde avec moi, donc du coup, je me suis mis sur ce petit banc. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Regardez, il y a plein de châteaux gonflables et tout, c'est trop bien. Et là, du coup, ils vont faire de l'argile en fait. Ils vont faire plein de formes avec de l'argile et tout, c'est trop sympa. Oh là là, c'est trop mignon, Ruby, t'es trop forte. Montre-moi, c'est quoi que t'avais. Elle est trop fière. Ah, alors. Oh là là. Tu montre-lui à maman ce que t'as fait. Wow. Elle a dit plein de petits cœurs pour maman. Oh mon amour, t'es trop mignonne, c'est trop bon, on va les emporter avec nous. Hein. Si vous voulez, je vous les laisse assécher. Allez, super, merci. Bon, autant vous dire que j'ai fait un brushing juste avant de partir.
tir qui n'a absolument pas fonctionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé pourtant la semaine dernière. Il était parfait, c'était la même personne qui m'a fait le brushing, mais là, ça a dû être le voyage. Hein. Ils n'ont pas dû accepter le voyage. Make you having an amazing evening. There you go. Come on, otra más. Hey, what are you doing? What's that? Why are you bringing that here? No, we need it there. Put it back there. How you doing? Entendez cette musique, c'est que vous êtes en vacances. Uno, dos, tres. No. Ça c'est la musique des vacances. La musique de l'enquête. Hey everybody, big smile. Una sonrisa grande. Peinture. Allez. Très bien. Attention hein Bibi. Attention. C'est bon, ça suffit? Maintenant, je pense que voilà. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains comme ça? Oui. Oh et on les met. 1, 2, 3. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, maman des rubis. On va lui faire pareil. Chaud. Alors en général sur Tenerife il fait 25 degrés toute l'année, donc c'est pour ça que tout le monde peut voyager n'importe quand. L'avantage bah, c'était très rapide puisqu'on est à 3h30 de vol contrairement à si on part dans les îles à l'autre bout du monde, et du coup il fait très bon. Là c'est juste que cette semaine on n'a pas trop de chance, c'est hyper venteux alors que d'habitude il fait vraiment super beau et il n'y a pas de vent et tout. Mais dans l'ensemble il fait très beau, les piscines elles sont chauffées donc c'est hyper agréable. Le seul problème là ça rend un peu les journées un peu plus fraîches, mais sinon de base il fait très très beau. Moi j'étais allée en avril-mai de l'année dernière et il faisait merveilleusement beau, il faisait 30 degrés, enfin c'était trop agréable. D'ailleurs je vous recommande de partir pendant les périodes de Pâques parce qu'il faisait vraiment beau. Et l'été il fait grave chaud, je crois que les températures elles sont à 38 quoi, c'est vraiment trop agréable. Moi j'ai beaucoup hésité à partir ici ou dans une autre destination mais qui était... Mais j'ai carrément pris un coup de soleil au niveau des joues. Je suis trop contente. Ruby, pareil, à ce niveau-là, on a pris quelques petites couleurs. Franchement, ça fait trop du bien. Oh, il me tarde trop. Là, apparemment, il y a demain, il fait moins beau. Et après, il fait grand soleil jusqu'à la fin du séjour. Et je pense qu'on va rentrer avec plein de jolies couleurs. Parfois, après avoir bronzé, toujours pareil, vous le savez, c'est le savon à base de lait de chèvre qui est trop bien, les filles, parce que ça permet d'éliminer complètement tous vos boutons, les filles. Vraiment, c'est juste une folie. Vous ne serez vraiment pas déçus en l'utilisant. Franchement, je pense à toutes les personnes qui souffrent de boutons, de plaques rouges, d'eczéma. Avec ça, vous pouvez être sûr que dans 48 heures, vous avez tout qui disparaît. En fait, c'est trop bien. Donc, vous l'utilisez matin et soir comme un nettoyant visage. Et une fois par semaine, comme un masque. Et franchement, vous allez voir, une fois que vous allez rincer votre peau, comme elle va respirer. C'est comme si on enlevait en tout le monde. Vous pouvez l'utiliser également sur le corps, ce savon, pour éliminer les traces d'eczéma, de psoriasis qu'on peut retrouver sur le corps. Également les boutons, des fois on en a au niveau du décolleté et derrière le dos. Et ensuite, déjà l'odeur est incroyable. Vraiment, elles sont trop bons. Et puis surtout, c'est une crème qui est non grasse et elle permet tout simplement
d'éviter que de nouvelles imperfections reviennent. Donc ça permet de rétablir le pH. Donc ça c'est vraiment très bien. Concernant la crème précieuse, moi en fait j'alterne déjà premièrement parce que c'est important de ne pas toujours utiliser la même, sinon votre visage va, votre peau va s'habituer et du coup vous aurez de moins bons résultats. Donc c'est bien de à chaque fois varier. Et celle-ci, je vous explique pourquoi elle est très très bien, c'est qu'en fait à l'intérieur vous avez une plante chinoise qui est hyper apaisante pour la peau, hydratante, donc ça permet pareil de veiller à ce que les imperfections ne reviennent pas, mais surtout à hydrater un maximum et apaiser votre peau après avoir fait tout simplement votre petit savon à base de lait de chèvre. Donc elle est vraiment également très très bien. Je ne pourrais pas choisir entre les deux parce que pour moi elles sont hyper complémentaires. Et franchement les produits chez Pinup Secret, ils sont trop bien. Les filles, vous pouvez les retrouver en pharmacie partout en France. Ils ont vraiment inondé le marché. Et vous pouvez également les retrouver sur leur site internet et leur application. Donc vraiment vous avez que des avantages avec cette marque. Je partage mon avis juste après et bon shopping à vous. Ah oui, je vous ai pas dit, on a une heure de décalage ici. En fait, moi, il est 18h30 et chez vous, il est 19h30. Donc, le temps passe vite ici. Bon, Ruby, il va falloir que je la réveille la sieste. En fait, on est sorti du bain. On s'est mis direct dans le lit et elle a fait une grosse sieste parce qu'elle était KO. En fait, depuis ce matin, on est parti à 9h30 prendre le petit-déj. On n'est pas rentré jusqu'à 5h30 dans la chambre. Ça, c'est les vraies vacances. Quand vous rentrez pas du tout dans la chambre parce que vous profitez. Du coup, la Ruby, elle était complètement KO. Donc, je vais la laisser se reposer parce que ce soir, on a un gros, gros programme. Restez bien connectés. Puis, regardez-moi cette beauté. Elle a carrément pris un petit coup de soleil. Et bien, décidément, hein, le vent, c'est traître. Hein. Et c'est pas bon. Ni près des couleurs. On l'a pas vu venir, celle-là. Bon, allez, ça y est, on est prête. Moi aussi, je me suis mise en... petit pantalon et jean pour être à l'aise pour tout à l'heure. Du coup, franchement, on est ressorti avec des couleurs, les filles, alors que pourtant, il y avait beaucoup de vent, vous avez entendu dans mes stories. Et en fait, c'était hyper traître. Il y avait le soleil, avec le vent, c'est dit, on va jamais bronzer. Regardez. Un truc de fou. Incroyable, Bibine. Bon, bien évidemment, avant de partir, petit passage obligatoire par la marque Cellule Blue pour éliminer la cellulite. Ça, faut le savoir, Cellule Blue, c'est les number one pour éliminer la cellulite. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché, ça fait 10 ans qu'ils explosent et qu'ils ont conquis le cœur des Français grâce à leurs produits pour la cellulite. Donc là, on est sur la ventouse électrique, la meilleure au monde, je vais vous montrer. C'est 100 minutes d'exercice à réaliser pendant 21 jours, ce à quoi vous éliminez complètement votre cellulite. Et après, c'est très important de faire des petits rappels de temps en temps parce que la cellulite peut revenir en fonction de ce que vous mangez, si vous ne faites pas de sport. Donc, c'est très important de faire des petites sessions en parallèle. Donc, je vous montre. Ouh, j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc, je vous montre. Vous appliquez du coup l'huile où vous avez de la cellulite. Moi, en général, c'est souvent au niveau des cuisses. La cellulite, tout le monde peut en avoir, que ce soit des personnes qui sont fines, comme des personnes qui sont un peu plus pulpeuses. Tout dépend en fait de la qualité de peau. Et si vous avez tendance à manger gras, si vous ne faites pas de sport, enfin bref, c'est un peu aléatoire. Donc là, vous allez prendre la ventouse électrique tout simplement et vous allez venir du coup faire vos exercices. Ça démarre comme ceci, vous voyez, et ça aspire. Je vais vous montrer. Vous allez avoir votre cellulite qui va disparaître et après, il faudra simplement le faire de temps en temps pour éviter qu'elle revienne de nouveau. Donc, pour vous expliquer, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez la méthode. Vous voyez ? Ça permet de casser les tissus et d'éviter que la cellulite revienne puisque ça va tout simplement lisser vos tissus, tout simplement. Regardez. Vous avez vu ? Vous n'avez rien besoin de faire. C'est l'appareil qui fait tout, les filles. Et quand je vous dis qu'avec ça, tout disparaît, c'est que tout disparaît. Et vous le sentez, en fait, que d'un coup, ça casse bien les tissus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop, trop...
résultats après seulement 3 minutes, les filles. Je vous parle sans filtre. Regardez les résultats, à quel point ils sont dingues. Non, mais c'est pas incroyable. Regardez-moi ça. Et juste, je voulais vous montrer l'autre côté. Vous voyez bien que de l'autre côté, vous avez énormément de rides. Et de ce sens-là, c'est juste parfait. Regardez ce qu'on est en train de mettre à Ruby. On va se déguiser en pizza. Les filles, on a un look feu de Dieu. Nous allons créer nos pizzas. C'est pas trop cool. Ruby, t'es comment toi? Elle est morte de rire. Pizza? Ouais, ok. Attention, tu la manges après. Mets des olives et du jambon aussi. Je la sens pas la pizza. Je la sens pas trop. La pizza, ça va être un carnage. J'espère qu'on va pas manger que ça. Hein. Je voulais dire, mais par contre, j'adore le look. Hein. Très sympatoche le look. Alors, ah, tu as mis quoi du tout? Ah, moi, je mets des olives. Regardez notre pizza, comme elle est trop mignonne. Maman, regarde. Et oui, il faut mettre la mouta parce que tu la vois comme ça, mais après, c'est très très bon. Tu vas voir. Oh là là, mais moi, j'aime trop les olives. C'est ma passion. Un jour, on m'avait dit que j'allais finir comme ça en version pizzaïole. C'est trop stylé les filles, je vous jure, c'est trop bien. Et en fait les enfants ils peuvent faire toutes les pizzas en fait dès qu'ils arrivent, c'est trop bien. J'aime trop, j'ai envie d'en acheter un, de s'habiller comme ça. S'habiller, chérie, va manger. Terminé notre petite pizza, on va aller la donner au monsieur et il va la faire cuire. Hola. Hola. Voilà. Regardez notre pizza partir au four. Il doit se dire mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est un carnage. Et voilà, Bibi, on va découvrir la pizza. On a fait notre petite pizza. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Vous validez ou pas?